Allez. Allez, merci les filles. Vous allez proposer la dernière chanson pour la fin. Je remercie Serge Epor. C'est en fait lui qui me permet de vous découvrir, Serge. Hein? Les titres de la dernière chanson, Mangda. Ça veut dire racine. D'accord. Mangda, racine. Ok, d'accord, c'est parti. Oh, yeah.
c'est ma préférée. De merci. Toutes les chansons qu'elles nous ont proposées, c'est ma préférée. Merci à vous, Wassams. Alors, Shai, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Waouh. Je vais continuer. Pour une qui anime une émission sur l'éducation du jeune enfant, qui chante et qui passe des messages de paix et surtout des messages de réconciliation, d'amour, j'ai envie de lui demander, mais c'est quoi son rêve? Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? En fait, j'ai trois rêves. Oui, vas-y. Le premier choix, c'est d'abord continuer dans la carrière musicale. Parce oui. que c'est ce que j'aime faire. Oui. Deuxième, c'est le journalisme. Mmh. Et le troisième, c'est être docteur. Être docteur. Plus pédiatre pour les enfants. Waouh. Tu sais que tu peux faire les trois à la fois. Tu sais ça? Tu peux faire la musique, sortir des albums, animer une émission à la télé et consulter les enfants à l'hôpital. Oui, je peux faire. Ça va te faire beaucoup d'argent. Ouais. Alors, pourquoi tu veux faire pédiatrie plus précisément? Parce que les enfants sont trop chauds. Écoute l'enfant qui dit que les non, enfants Non, je veux dire des plus petits, mais quand je serai grande, ça sera... Non, j'aime trop les bébés, en fait, ouais. naturellement. Mmh. C'est pourquoi votre petit frère, votre oui, petit frère Chris est votre William. Adoré. Chris William, il s'appelle. Oui, William, oui. Vous l'aimez beaucoup? Beaucoup. Il a quel âge? Il a 3 ans. Waouh, j'imagine. Alors, et toi, Sacha, qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as pas 3 rêves aussi? Non, un seul, journalisme. Journalisme, c'est bien. Merci. Et après donc ton bac, tu vas faire quoi? Tu vas t'essayer à l'ESTIC, le concours l'ESTIC, mais là il va falloir que tu aies au moins une année à l'université. Il n'y a pas de problème, je suis jeune. Mais il faudrait que les parents te soutiennent aussi. Oui, ils sont toujours là pour nous. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous abordez dans vos chansons? Oui, on parle aussi des racines. Oui, dans... On ne peut pas oublier d'où tu viens. Oui, d'où tu viens. Même si tu vas où, même si tu traverses le monde, tu vas au bout du monde, n'oublie pas d'où tu viens. Oui. Cherche important. Toujours ta culture. Oui. Oui. Parce qu'il y a ceux qui partent, ils s'oublient, mais il faut revenir toujours. Mmh. Oui, savoir. Vous êtes de quelle région précisément? Région de l'Ouest. De région de l'Ouest. Où exactement? L'Ouest, il est grand. Du Ndé, de la Mifi, du Okam. Okam, à Bafan. Oui. Yes. Waouh, vous allez régulièrement au village? Même ces vacances, nous irons à Bafan. Waouh, cool. Où à Bafan précisément? Le village c'est Banka. Quoi? Banka. Le village c'est Bakongi, mais Banka c'est la ville, lui. Ok, oui. Alors, vous exprimez aussi en langue maternelle? Je comprends bien. Comprend je chante bien. Le Bafan, mais parler, c'est pas trop. Bah, on va apprendre. Mais il n'y a pas de problème, ça va venir. J'apprends. Non, ça vient. D'où justement Espoir, le titre de la chanson. Exactement. De votre première chanson. Vous avez l'espoir de faire de très belles choses plus tard et surtout en langue maternelle. En tout cas, c'est bien. Moi, je vous encourage, je vous félicite. Vous êtes très courageuse, vous êtes très intelligente à votre Merci. Âge. Vous parvenez à vous exprimer aisément. On connaît des personnes plus grandes qui... n'ont pas ce courage-là. Et merci à vous, Wassams. C'est le nom de Wassams, c'est le nom du groupe. Hein. Ouais. Sacha et Shine, merci. Vous avez retenu le nom et surtout, merci aussi, Stéphane. Vous pouvez chercher l'album dans les bacs. Allez, merci, vous êtes adorables et très choux, les filles. Merci. Allez, merci. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup.